brought some party favors, party favors. Got you naughty, babe, so naughty, babe, so naughty, baby. I brought some party favors, party favors. We mixed the drink with emotions, we gonna wake the neighbors. I'm so impressed with your vibe, and I got all kind of flavors, kind of flavors. Eh oui. Ouais. Ouais. Pourquoi il était. Pourquoi il m'avait. Bonjour à tous. Bonjour, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il m'avait remis dans les propriétés. Il m'avait remis rien. C'est peut-être le fait que j'ai. Je sais pas. J'ai dû le débrancher malencontreusement, je pense. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolé, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. Bonjour à mon petit Beignot, bonjour à mon petit Litigo, bonjour à mon petit Jomo, bonjour à mon petit Mouillette. J'espère que vous allez bien les gars. Du coup, faut que je règle ça. Je vais juste mettre un petit peu de musique de mon côté, mais je veux pas que vous l'entendiez, sinon je vais pas pouvoir. Ah vous l'entendez bien. Ouais, un tout petit peu moins fort gros. Trop. Ou vous l'entendez extrêmement légèrement, mais normalement je vais pas me faire strike ou me faire insulter par les gars de chez YouTube, donc ça va le faire. Hop, ça c'est bon. Salut Verderana. Merci déjà. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas stream. Outre le fait que je vais me prendre des milliards d'insultes dans le chat en mode « Ah, tu stream plus, c'est un scandale, moi tu sais que quand tu stream pas, je fais rien de ma vie, je suis dans mon lit à regarder le plafond. » Je me dis même classique quoi. Et je me suis dit quand je vais allumer, je vais faire 5 spectateurs, ceux qui disent 3 bottes et puis un mec qui viendra « Hey, oh, salut !» Et non, vous êtes 5 vrais humains. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Normalement, par contre, le micro, vous m'entendez bien. Je parle pas très fort parce que ma fille dort, bien évidemment. Et voilà. Voilà. On va tranquillement continuer. J'ai pas beaucoup. J'ai pas du tout continué la partie avec le Kralové. Je le fais en stream. Je suis sur une partie avec Francfort en ce moment. Où j'accroche pas mal. Je pense que je vous en montrerai un bout un peu plus tard dans le stream, parce que j'ai mis en place le 4-4-2 de et merde, ça c'est chiant ça. De l'entraîneur de Valence. Alors j'aime pas comment ça voit, il fait des trucs comme ça me fait péter un plomb. Mais t'es chiant le cerveau aussi là.
De Marcelino. Putain. Je suis nul. Désolé. Je rappelle, K2 de Marcelino que j'avais mis sur le blog par l'heure de FM17. J'ai eu une personne sur Twitter qui m'a parlé il n'y a pas longtemps, qui voulait le réutiliser et qui sentait qu'elle allait marcher pas mal et tout. Et ça m'a donné envie de moi aussi la réutiliser. Attends, ça c'est que c'est mon équipe B ça. Pourquoi il y a Roro titulaire et tout? Oula, on va faire un coup de ça. Kazoli, Gurgevich, Tarchal. Moretti, Katerinac, c'était pas ça, il me semble. Ou j'avais pas le choix. Et le 4-4-2 dont on parlait sur Twitter, et du coup ça m'a donné envie de le réutiliser. Et comme ma partie de Francfort à la base c'était une partie fun, étant donné que. Comment dire? C'est une partie fun parce que j'avais créé la Segundo Mongolante. Et j'ai terminé 8e avec, mais bon. C'est au-dessus des espérances du staff, mais c'est. C'est un peu. Avec un peu de recrutement, j'aurais peut-être fait un peu mieux, mais. Vraiment pas de plaisir à jouer avec deux secondes de volonté, quoi. Je trouve ça. Bref. Voilà. Du coup, je suis passé pour la nouvelle saison en 4-4-2. J'ai fait un plutôt bon recrutement. Et là, je suis troisième égalité de Bundes avec Dortmund qui est deuxième. Donc voilà. Avec toujours une ou deux modifs pour adapter un peu à l'effectif. Et puis c'était bon. Penalty. Oublié de changer de gardien, je suis un connard. Donc voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai pas stream. Mais je vous donne un peu de news quand même. J'ai fait une énorme saison avec le food truck. J'ai vraiment fait une très 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 bonne saison. Bah, ma meilleure saison depuis la création de mon food truck, depuis la création de mon entreprise. Donc je suis très heureux. Merci beaucoup Jomo. Merci beaucoup bah, pour ton année de soutien, ton année de sub. Merci beaucoup mec. Ça me fait super plaisir. C'est vrai que ces derniers mois, c'est depuis le mois de mai globalement, j'ai un peu réduit mes jours de jeu sur FM. Et toujours soutenu, donc ça fait énormément plaisir mec. Merci beaucoup. Ça va revenir avec FM20. Je vais reprendre le rythme que j'avais au mois de janvier, février, mars. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, ça va être des streams un peu comme ça jusqu'à la sortie. Jusqu'à la bêta d'ailleurs. Il faudra qu'on regarde la date exacte de la bêta. Ça, je pense qu'entre le 15 et le 20 octobre, je dirais. On streamera de la bêta. Fera pas mal de trucs quand même. Dès qu'il y a le nouveau FM, ça ira à fond les ballons. Donc ouais, merci malgré tout de ton soutien continuel. Merci beaucoup. Ouais, j'ai passé des soirées, des pas mal de boulot, vraiment beaucoup de boulot là, vrai boom. Donc je suis très content, très très content de ma saison, mais c'était très exigeant physiquement, très exigeant mentalement bien sûr, parce que organisation que je découvre un petit peu dans le sens où il y a un rythme un peu plus soutenu, donc je me suis un peu adapté, puis bah, j'ai très très peu vu ma fille, c'est là où mentalement ça a été un peu dur, donc fallait aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, dans le sens où
C'est pour des bonnes choses que je ne vois pas ma fille. Enfin, c'est pour de l'argent, hein, globalement. Et puis, pour continuer de faire grandir mon entreprise, continuer à me faire connaître, de plus en plus de gens m'ont donné de la visibilité. C'est vrai que depuis, entre janvier et maintenant, j'ai pris quasiment 300 abonnés de plus sur Facebook. 300 abonnés, ça correspond à 1 an et demi, à mes abonnés que j'avais depuis le tout début sur Facebook. Je l'ai fait en 6 mois, alors que les 300 premiers, je les avais fait en 1 an et demi. Donc il y a une très très grosse évolution. Je sens vraiment depuis janvier un véritable, je ne vais pas dire un boom, parce que c'est à mon échelle, quoi, mais vraiment une belle belle évolution. Donc je suis très très contente, mais il faut. C'est le moment où je dois aussi m'investir plus, où je sois sérieux avec tout le monde. Il faut que je travaille. Bah, s'il faut travailler 6 sur 7, 7 sur 7, je travaille 7 jours sur 7, etc. Mais derrière, à côté, j'ai assez peu de temps où quand je rentre chez moi, je joue quand même aux jeux vidéo, mais je joue avec des potes ou quoi, besoin vraiment de me détendre. Et pour ceux qui me connaissent quand même pas mal sur le chat ou quoi, en stream, je suis quelqu'un qui joue à FM peut-être des fois pas assez en mode détente. Peut-être que je prends un peu trop le jeu au sérieux des fois. J'aime trop ça. Mais voilà, donc très très heureux, mais très fatigué et très. Ouais, très occupé. Donc voilà. Même si c'est le pire streamer. Donc voilà pour les nouvelles. Les nouvelles sur le plan pro, sur le plan perso, et ben ça va. Bah, ça va très très bien. Ma fille est au top. Donc, si elle est au top, moi je suis au top. Je n'ai pas rencontré de nénette. En même temps, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai beaucoup travaillé. Ça n'a pas du tout été ma priorité. Je discute avec des nanas sur des applis ou quoi, mais sans vraiment sans me prendre la tête, quoi. C'est vraiment. J'ai pas envie de faire mon Don Juan ou mon mec un peu lourd, un peu insistant. J'ai pas envie de. Moi, je force pas, quoi. Je force pas quoi. Je sens que là, tu parles à une nana, tu lui écris un petit texte ou un petit. Des échanges de discussion où tu écris un peu plus long et elle répond par 2 lignes ou ok ou d'accord. C'est bon, au bout d'un moment, si c'est pas une vraie discussion, je lâche l'affaire. Je me prends vraiment pas la tête. Tranquille quoi. Puis s'il y a échange et puis si on s'entend bien, why not, mais. Donnant, donnant, la flemme. Donc voilà, sur le plan perso. Donc voilà les gars. Voilà les news. T'as vu M. Chapatier. T'écoutes religieusement. Ouais, c'est vrai que vous êtes un peu. Vous êtes la plupart d'entre vous quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de très fidèles personnes sur le stream. Donc c'est pour ça que je me permets quand même de un petit peu raconter ma vie privée. Je suis pas forcément fan de faire ça, mais j'ai l'impression de voir les pseudos depuis des mois, certains une année, comme on vient de le voir. Certains depuis plusieurs années me suivent, je le sais. Donc c'est quand même plus simple d'avoir confiance. Et de parler plus spontanément de tout ça. C'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est peut-être quand on va par la suite dans le stream parler de foot, du vrai foot enfin, qui est de retour d'ailleurs. Donc voilà. Voilà les gars, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Il y a vraiment, vraiment par contre, beaucoup de fois où j'ai hésité à stream. Des pulsions de stream, mais qui arrivaient à 10 h le soir ou après un match de foot, là, quand la Ligue 1 a reprise. Repris et je me suis dit oh, vas-y je suis claquos et tout je fais l'envie me passait un peu où j'allumais FM puis je faisais Francfort et je chillais dessus avec la musique avec les gars sur Discord et puis je me suis dit oh, vas-y j'ai envie d'être avec mes potes à parler tranquille et tout donc j'allumais pas des streams mais j'ai quand même pas mal de fois envie et là j'ai posé ma fille j'ai dit là j'ai envie de les voir. Je me suis dit, j'allume. Let's go. Alors.
Salut ADM. Désolé pour les bruits de bouche, il y en a sur le stream, je suis désolé. Le match était vraiment pas sexy, donc j'ai vraiment pas trop focus sur le match. On gagne 1-0 sur un penalty. On fait statistiquement un bon match. Une occasion de frange de plus. 7 tirs cadrés de plus. On a vraiment dominé le match, on est tombé face à un bloc solide. On a beaucoup insisté. On trouve l'ouverture sur un penalty. Des problèmes de dédoublement. Matarfaï a pas été énorme. Je vais regarder son 0 au centre, c'est sur combien. Sur 17 centres, il en réussit 0. Donc il n'y avait pas un problème de dédoublement en soi. Parce qu'il arrivait à trouver l'espace. Très rapidement, il ne le trouvait plus en fait. Bon, si, il y a un problème de dédoublement en fait. Il arrivait bien à le faire, mais il n'arrivait pas à bien centrer. Donc ça devait être bien protégé sur le côté gauche. C'est peut-être un peu trop insisté. Alors que de l'autre côté, Finech a fait un seul centre, il l'a réussi. Bon match de Moretti, notre régista, mais surtout sur le travail def. 4 tacles tentés, 4 tacles réussis, 4 interceptions, c'est très bien. C'est pas trop son rôle, mais il était dans la zone, mais ça a dû jouer autour d'un numéro 10 en face pour qu'il ait autant d'activité défensive. Intéressant. Ouais, ça va très bien les gars. Vraiment là, la semaine prochaine, on va revenir un peu sur mon rythme un peu plus hors saison. Fin de mon emplacement saisonnier, donc depuis samedi dernier. Retour chez la nounou pour Rose. Donc on va reprendre un peu les habitudes de hors saison. La rentrée aussi va s'opérer du côté de tout le monde. Enfant comme adulte. Donc voilà, on va voir si ce rythme-là va. Bout de conseil. On va me faire un peu reprendre de stream l'après-midi. Why not? Donc voilà. Donc par rapport à FM, comme je disais, donc cette partie avec Francfort, celle-ci que j'ai pas trop touchée. Ce qui m'a redonné envie, parlant de FM, c'est aussi bien évidemment l'annonce, le petit trailer que vous avez dû voir par rapport à FM20, j'ai pas trop compris le trailer, avec que des gens qui râlent, pas trouvé ça. Ça m'a rien fait du tout. J'ai pas compris trop le délire. Mais bon, c'est au moins ça annonce FM20. Mais bon, au 28 août, t'as un jeu qui sort dans 3 mois et tu fais cette vidéo-là sans rien. Bon, c'est moi, faut la prendre ça comme une vidéo qui en gros, c'est le message, c'est bon. On va vous faire des annonces là dans les 15 prochains jours. C'est juste pour vous dire ça. On a voilà. Voilà. Juste le fait de dire ça en un tweet marchait très bien aussi. Et bon, il fallait faire une vidéo. Vidéo dans laquelle notamment on voit un streamer français. Qui il râle comme tous les gars de la vidéo. C'était le thème. C'est cool pour lui. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit focus ou un petit truc par rapport aux communautés ou aux streamers, ça peut être sympa. Il y a une autre personne qui parle en français, j'ai pas trop compris. Sur le Discord, je voyais que ça débattait, on dit sur le fait que ça soit Koé. Il y a un faux air, ça m'a foutu grave le doute. Mais je sais pas qui est l'autre personne française chauve avec les yeux bleus. Chauve, il y en a qui disent que c'est moi, déjà je vous emmerde, pour commencer. Puis j'ai les yeux verts moi. Bon, de bâtard, je suis pas chauve. C'est moi qui ai choisi de me raser la tête. Je suis pas chauve, j'ai pas de calvasse. Tu
Fury, bonjour. Il a pas acheté le jeu, bouh. Non. Mort. Vous avez encore 2 jours si vous voulez faire des donations. Vous avez vu, j'ai mis une barre de donation. Je me sens mal à l'aise de faire ça. Bon, en même temps, je le mérite pas. J'ai peu streamé, le blog, c'est un cimetière en fait. Il y a plein de trucs vieux qui bougent pas. C'est ça. C'est triste. Non, ce qu'il y a dedans, c'est pas triste. Quand je vois les gens qui me disent j'ai utilisé ta tactique de FM18 ou FM17 sur le FM19, ça marche bien ou ça marche pas, je me dis putain, les gens ils continuent de les utiliser. Ça me fait, vous pouvez pas savoir parce que ça me fait plaisir de lire ça quand vous m'envoyez ça en message privé ou sur Twitter pour certains. Ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pu regarder les stats du blog depuis bien longtemps. Donc il suffit que je dise cette phrase pour ouvrir un nouvel onglet, que j'aille sur le blog, que je ferme ça, que je ferme ça, que j'aille dans statistiques. Alors. Non mais c'est sérieux? C'est sérieux là? Ah oui, ça a baissé quand même. J'hallucine. Je fais encore autant de visiteurs, malgré tout. Le dernier article de remonte au mois de mars, c'est l'article sur les coups de pied arrêtés. Donc, du coup, alors, sur ce FM qui est sorti en novembre. Donc, novembre, j'ai fait 5 700 visiteurs uniques, 15 000 vues. Ok, ensuite, décembre, 3 900, 3 700 en janvier, enfin 3 800. Février, 3 200, 3 600 pour mars, 2 900 pour avril, 3 300 pour le mois de mai, 2 800 pour le mois de juin, 3 200 pour le mois de juillet, et là on arrive fin août et j'en suis à 3 800. Sérieux? Vous regardez toujours autant le blog? C'est énorme, c'est trop bien. Ça va être chaud de battre mon record de 2018 quand même. On est au mois d'août, j'en suis à 26 800 spectateurs visiteurs uniques pour l'année 2018, sur l'année entière. J'avais fait 52 400 visiteurs uniques. Voilà. Ça va être chaud. C'est énorme. Je pensais vraiment qu'il n'y avait plus personne qui allait dessus. C'est énorme. Ça donne envie, en vrai. Ça me donne envie d'écrire parce que je pensais que. Wow. Cool. C'est trop bien. Du coup, il y a plein de gens qui vont au cimetière, quoi, en fait, c'est ça? Comme je suis un très mauvais streamer, je vais rattraper mon retard alors que vous n'êtes pas beaucoup. Alors, ah mais voilà le trailer. J'ai peur que cette année les annonces soient pas ouf. Ah bah Monsieur Chapati, c'est-à-dire que peut-être. Déjà, première certitude, par exemple, sur le côté tactique et côté entraînement, normalement, va pas y avoir peu de modifs. Certains. Ça fait depuis FM, donc la sortie de FM auquel on joue, FM19, qu'ils avaient mis ça en place. Donc, non, ils ont bossé dessus pas mal l'année dernière. L'onglet tactique, je pense aujourd'hui, est plutôt bien fait. L'onglet entraînement, je pense que si on parle un peu des entraînements et qu'on passe un peu de temps à en discuter, vraiment, hein, ça m'intéresserait de voir qui vraiment est allé dans la profondeur des entraînements, qui le survole, etc. Mais je pense que globalement, on y est tous allés, hein, Johan Molo dessus, quoi. Pardon. Il faut vraiment que je... Ah, j'ai du Perrier, putain. Déjà, j'ai un truc dans la gorge depuis tout à l'heure. Sur le prochain, y aura-t-il les filles? Je sais pas du tout. Ça, c'est pas un mode de jeu, moi, personnellement, qui m'intéresserait. Il est juste en manque de chevelure.
Non, mais plus j'ai de cheveux, plus on voit les traces de mon. De ça là. Le M, on appelle ça un M un peu là. Et moi je veux pas ça, donc je préfère me raser la tête. Le blog est pas en PLS, mais il est en stand-by. On va dire ça. Le multi, c'est une bonne idée, Fury. Ouais, le multi est pas foufou. Voilà, par exemple, ADM qui m'en avait parlé. Ça fait plaisir. Coucou Xilis, comment tu vas? Et tu ne ressembles pas à Koé, je trouve, je dirais plus Lombardo. Non, non, moi je ressemble pas à Koé, merci. Koé, il a une tête, mon gars. Il a la taille de son crâne. My God. J'ai pas autant la grosse tête. Ouais. Ouais, on est sur une fin d'année hein, aussi, Monsieur Chapati, bien sûr, j'entends bien. Mais cette année, j'ai quand même beaucoup réduit le rythme. Mais j'ai fait plus de streams, entre, enfin, surtout janvier, février, mars. Il y a eu vraiment 4 streams semaine, donc il y avait un gros, gros rythme. Ah, Exadas. En Mezzala, Exadas. Grave stylé. Très, très stylé, ça. Comme il est capable de porter le ballon et tout. C'est un assez bon finisseur, comme tu viens de le montrer aussi. Ah, oh, putain. Doit être plutôt cool. Ouais, c'est cool pour les cheveux. C'est cool, c'est cool. C'est ta paye. J'ai dû dire un truc, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit, mais. Alors, on va parler de mon salaire ici quand même. Ça va piquer. Ouais. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que ça peut aussi donner des. Ça, c'est quelque chose auquel je pense pas, mais ça peut donner aussi, outre le fait de. De. Non, non, quel connard, pourquoi j'ai fait ça? Il est titulaire. Non, 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 non. Non. Là-dedans. Finech. Non, non. Non. Je crois que je pourrais le lendemain. Non, voilà. Pardon. Pardon, mon petit. Et on va le faire d'ailleurs passer en équipe première parce que Finech, là, il a step up. Bon, voilà. Après, il faut dire que tu es un des rares blogs français à aborder FM sous cet angle. Oui, je disais, voilà, je parlais de. Outre le fait de faire des taquis, ça peut aussi donner des idées de parties, etc. Donc, je pense que certains qui. Quand on arrive aussi durant cette période, on veut faire une nouvelle partie. On dit, ah, vas-y, on est au mois de juillet-août. Ah, j'ai le temps de me faire une dernière grosse partie jusqu'à octobre, à peu près, avant la sortie de la bêta. Donc, ça peut relancer aussi. C'est peut-être pour ça que ça garde en fréquentation. Ouais, il y aurait une refonte du moteur de jeu ou des trucs, il y aurait eu des images ou quoi pour nous hyper de ouf aussi, ouais, je suis d'accord. Pas les filles l'année prochaine, je pense aussi. Le 4-2-3-1 Faf, Touma, c'est ma tactique du moment. Elle a très très bien marché. Je suis très 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 heureux de cette tactique. Ma nouvelle meuf se fait un café. Non, c'est. À chaque fois qu'elle s'éteint ma machine à café, elle nettoie les tuyaux, en fait. Donc elle se purge. Donc ça c'est pour ça que ça fait ce bruit. Et après, elle se coupe. Et j'ai. Non, non, malheureusement, mon petit oufti, là, c'est. Là, le mercato est très très calme. En même temps, le budget est serré. Je te montre. Ah, je vais en parler de la partie avec Francfort, Jomo. Si t'es. Je sais pas si t'es dispo un petit peu aujourd'hui pendant tout le stream, mais. Je vais faire un petit. Un petit focus dessus après. Vous parlez un peu des adaptations que j'ai fait par rapport à la tactique, etc. Tout en gardant bien évidemment la base de l'article, bien sûr. Bonjour Kier, aurais-tu des astuces pour gagner avec 2 Segundo volante? Bien sûr. On peut faire plein de choses avec 2 Segundo volante. Prendre son front, prendre son clavier, puis mettre des coups de tête dans la barre d'espace jusqu'à gagner 50 Ligue des Champions.
très, 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 très stylé. Ouais, non, moi je suis. Comme je disais, je me suis pas. J'ai pas de tryhard sur les femmes. Je discute avec des nénettes et puis voilà. S'il y a un vrai échange, pourquoi pas. J'ai pas envie de faire que ça, relancer des nanas ou les nanas qui te répondent d'accord, ok, en mode c'est toi qui me poses les questions et moi je réponds et puis voilà. C'est pas ça. C'est pas ma vision. L'homme qui doit tout faire, c'est bon. Elles veulent l'égalité des sexes. Ça commence par répondre à un mec sur les sites de rencontre. C'est mort. Donc ouais, du coup, c'est fait que je suis pas prêt d'avoir une nénette, mais j'assume totalement. Comme c'est pas ma prio là tout de suite. Il y a des soirs où c'est ma priorité. Par contre, je vais pas vous mentir, quand je suis seul, ouais. À deux doigts d'aller voir sur le bord des trottoirs quand même. Alors, yes. Je repense à une conversation là que j'ai eue avec, avec des couples d'amis que j'ai revus il y a pas longtemps qui sont venus manger à mon food truck. On était parti sur un délire sur le fait que effectivement, ce serait peut-être presque plus intéressant de payer une escorte à 300 ou à 400 balles. Parce qu'en fait, au final, si c'est juste pour faire son affaire. Si tu parles pendant 3 semaines, 15 jours, 3 semaines avec une nana sur Tinder ou sur une appli de rencontre et que tu l'invites 2-3 fois, sachant que dans les 2-3 fois, il y aura au moins 3-4 verres que tu vas lui payer, un ou deux restos. Des fois, au final de tout ça, bah, t'as rien parce que ça matche pas ou t'as pas le feeling. Ça t'aurait coûté tout ça pour pas tirer entre guillemets ton coup si c'est ce que tu cherches. Bon, moi, évidemment que je cherche un peu plus, mais dans l'idée. Alors qu'une escorte, tu payes, tu vas un soir, c'est carré, c'est clair, net. Tu fais ce que tu as à faire, vous avez ce que vous avez à faire. Et le lendemain, il n'y a pas de souci. Et après, tu peux refocus sur ce que tu veux focus. Parce que budgétairement parlant, et en plus, t'as. Ouais. Non, j'allais dire un truc un peu horrible, mais j'assume. T'as quand même du qualitatif sur l'escorte. Ça passe de justesse. Hein. Là, il y a la VAR qui est en train de décider si ça passe un peu ma remarque. J'attends des nouvelles. Mais et si on rigolait de ça, mais ça serait. On est. Ah, mais plus sérieusement. Mais comme je suis pas en chien non plus. 300 balles quand même, ça coûte cher. Ça me faisait rire. Mais non. Elle viendra un jour. Elle frappera à ma porte, elle dira, écoute. Écoute Thomas. Un régista, crée-lui de l'espace, protège-le. Et il créera du jeu. Si elle ouvre la porte et qu'elle dit ça. Je m'en bats les couilles, je vais au supermarché, je mets 1 € dans la tirette et je chope une bague, je mets au doigt direct. Je la lâche plus. Là, je me mets meilleur récupérateur def, marqué plus près, hein, pressing tout le temps, je la lâche pas. Mais ce jour-là, eh ben, je me réveillerai, hein, déjà pour commencer. L'équipe est bien là, pour Carvina, elle est la bonne. Encore plus compliqué que le mercato des Girondins. Ah, pas simple. Hein. Pas simple, pas simple. C'est très offensif leur tactique là. C'est très 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 offensif. Ils vont prendre beaucoup de risques, je pense. Étant donné qu'il y a putain de personnes qui dépassent la ligne médiane, bande d'enfoirés de merde. Yes, toujours poli, bien sûr. Le recrutement de Reims, c'est eux, ils jouent à FM, info sûre. Info sûre. Il y a un recruteur, je suis sûr que vous l'avez jamais vu dans les tribunes. Là, c'est info sûre. Si vous l'avez vu en tribune, c'est avec un ordinateur portable en train de faire sa partie sur FM.
Par contre, en vrai, si vous avez vu certains. Rajkovic a déjà fait 2-3 arrêts stylés. Je trouvais ça assez fun. Sérieux, oufti? Par rapport au président de Reims, c'est info sûre. Info sûre ou info chat? Pourquoi tu marches dessus là? Ouais. Ça crée un problème, Janoussek. Ouh, j'ai un problème de rôle là. J'aime pas ça. Ouais, ça par contre, c'est très bon. Ouais. Quand tu réussis tes 100 failles, c'est beaucoup mieux. Ouais, surtout purée que oui, les burgers pour 300 euros. Je sais combien on peut en avoir. Pas que ça colle à la culotte. Ah oui, se réveiller avec la béquille. Sans transition football. Ah ouais. Ah bah oui, parce que c'est en amont du transfert. Alors normalement, Lozano devrait aller à Naples, si j'ai bien compris. Du coup, ils anticipent. Bruma! Faille qui réussit à trouver la faille. Eh oui, très bon. Très très bon. D'accord. Je savais pas pour le président de Reims. Enfin bref. Effectivement, sans transition football. Qui nous amène à la Ligue 1, la reprise de la Ligue 1, ce magnifique championnat. Enfin. Ah, des bons gros Dijon, Angers, Toulouse, Brest. Ah, oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Boum, boum. Deux comptes favorables aux abords de la surface. C'est très rare quand ça m'arrive, mais je le note à chaque fois. Centre sans contrôle. Ah non, j'en ai un, pardon. C'est la tête, le renvoi qui fait de la tête. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça pour un compte favorable. Ça va, ça va. C'est cool. Donc ouais, tiens, je vais aller sur Ouscore parce qu'on va parler sérieusement de football. Étant donné que je n'en peux... Alors, je vous le dis direct, je n'en peux plus. Mais alors vraiment, j'en ai... À chaque fois, je souffle comme ça. Je souffle. Quand j'allume Twitter et que je vois dans ma TL, c'est fucky. Tout ce qui va être tweet ou retweet des gens de chez l'équipe. Où certains consultants, les abrutis de chez RMC, certains abrutis, parce que pas tous chez RMC. Par contre, chez l'équipe, c'est quand même 80. Allez, ils sont 10. Alors, on va en prendre 10. J'enlève Roustan. Mikou, quand il est là. Je sais pas s'il est encore là, d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. 80%, du coup, parce que 8 sur 10, c'est quand même des putains de tocards. Et leur mère. Sont des femmes adorables. Il y a des choix qui ont été faits par leur mère qui n'auraient pas dû être faits quand même. Sérieusement. Oh, je vous jure. C'est pas bien, mais. Ah, je veux plus voir ça sur Twitter. J'en suis à bloquer des gens quand même. Je suis à deux doigts de bloquer tout ce qui va être les hashtags l'équipe ou des choses comme ça, l'équipe 21. Parce que c'est quand même c'est le niveau zéro. Je suis sûr qu'il y a des gens beaucoup plus pertinents juste dans les bars, dans des PMU. Parce que déjà, c'est des gens qui y vont tout le temps. Donc, ils voient forcément beaucoup plus de matchs que ces gens-là. Parce qu'ils sont tout le temps. Il y a tout le temps du foot au PMU. Donc, forcément, l'analyse se fait et se développe. Mais putain! Mon Dieu, qu'ils sont bêtes, quoi. Ah, ça me fait péter un plomb. C'est tout ce que je déteste sur Twitter en ce moment. C'est ça, c'est des analyses non pertinentes. Et puis c'est tout le temps les mêmes thèmes. Donc effectivement, en ce moment, je viens de voir dans le chat Neymar, qui est effectivement la chose la moins intéressante du monde, le débat le moins intéressant du monde actuellement. C'est un débat sur fonds de transfert. Et que bon, des rumeurs, ça nourrit pas son homme, quoi. Ça parle pas de football.
Ça parle trop peu de football, en fait, c'est ça le problème. Oh bon. Non, ça c'est chiant. C'est chiant. Donc c'est vrai que des fois c'est bien aussi de me dire, tiens, j'aime le stream, je vais parler de foot avec des gens qui sont quand même. Alors, le chat Twitch, certes, mais je suis sûr que dans mon chat Twitch, il y a des gens beaucoup plus pertinents que Monsieur Favard, notamment. J'aimerais vraiment que ce Gilles Favard, j'aimerais qu'il goûte. Je voudrais qu'il goûte à mon genou avec ses dents. J'aimerais vraiment, avec un peu d'élan, beaucoup d'élan, j'aimerais vraiment qu'il goûte à mon genou. Je n'en peux plus. On va se calmer parce que là, je sens que ça monte. Ah, bref. Donc, je me suis dit, tiens, on va parler de foot. Je sais pas par quoi commencer, par contre, parce qu'il y a beaucoup à parler vu que c'est la reprise entre Lyon, entre Paris, la meilleure équipe du monde, Bordeaux, Marseille, Monaco. Ah, il y a trop de choix. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à Yann Moudra qui fait la gueule, à qui je vais dire de dégager. Et là, je prends WhatsApp, ma souris, et je mets hop la souris sur la souris sur le chat. Je sais toujours pas qui est le pire entre Favard et Djelit. Favard. Parce que Djelit, soit c'est un des mecs les plus stupides de France, soit il troll. J'ai quand même vraiment beaucoup l'impression qu'il joue beaucoup sur un côté troll. Donc ça me. J'ai l'impression de me faire avoir. Donc je les joue safe. Alors que Favard, il veut se donner cet air pertinent, alors que c'est le mec le moins pertinent. Donc c'est un mec qui se croit cultivé et qui s'y connaît, alors que c'est la pire des pipes. Et lui, rien que son air hautain, j'ai envie de lui faire manger le trottoir face au American Historics. Je n'en peux plus. Alors, souris au hasard. Putain, je suis en retard. Là, pas de problème. Quand tu auras envie de me ban, tu penseras que tu m'en dois une. Raté. Alimenter les rumeurs et rien d'autre. Ouais, c'est vraiment, vraiment, s'il vous plaît, hein, s'il y a des gens dans le chat qui regardaient l'équipe 21, faites comme moi, ne le regardez pas. Parce que ça sera toujours la même règle. Hein. C'est toujours l'argent qui gagne à la fin. Comment on génère de l'argent à la télé? La visibilité. La visibilité, les publicités. Donc, moins on donne de visibilité à cette chiasse du football qui est les gars de chez l'équipe 21, moins ils ont d'argent, moins ils ont d'argent, moins ils peuvent payer les salaires, moins ils peuvent payer les salaires, plus ils licencient. Et moins on voit ces gens à la télé. Donc arrêtons d'allumer l'équipe 21 quand ces gens-là sont à la télé. Ça nous fera à tous des vacances. Au lieu de retweeter, tweeter, faire des 20K retweets, donner de la visibilité partout, réseaux sociaux, télé, tout le temps. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Parce que quand il y a le bilan de fin de saison, on va voir. Alors, l'émission avec Favard, avec Djelit, ben, on a une évolution de 50%. Super, bravo les gars. Ils ont dit de la merde toute l'année, il n'y aura pas une analyse sur le contenu. Parce que le compte en banque sera content. Surtout, vraiment arrêtons. Je vous en supplie. Je n'en peux plus. Octogone, Gourou, Favard. Non, ben, y en a un qui. Y en a un. Favard, il doit regarder des matchs de foot quand même. Donc, quand même. Lui, il en regarde, quoi. Alors, parle-nous de Bordeaux. Ouais, voilà, tiens, merci. On commence par Bordeaux. Commençons par Bordeaux. Commençons par le début. Alors, Bordeaux. Ligue 1. On va commencer par Bordeaux, les gars. Je rattrape vite mon retard sur le chat. Parce qu'on a lancé beaucoup de débats en même temps. J'imagine que ça va être un peu le bordel sur le chat. La Vénézuélienne. Ouf. Ah, Verderaner. Ah, c'est voisin. Oui, on en parlera aussi, Verderaner. Oh, bon, rapidement. Allez, magnifique. Voilà, fermez la parenthèse. J'ai vu une ou deux vidéos, mais de quand t'allais à l'équipe, parce que bah, à force d'en avoir dans ma TL, forcément, tu regardes. Et tu insultes Favard et tout aussi pour ça. Mais
ça a pas l'air trop trop mal. Elle essaye de se défendre, mais c'est quand même aussi des gros connards de macho qui lui coupent la parole et qui la laissent pas s'exprimer. Donc ça va être très compliqué pour elle, mais elle est magnifique. Ça c'est Neymar, bof, ça. Ouais. Djelid, ça fait legit. Il est con. Ok. Bordeaux Club de Lille 2. Respectez-nous. On est 10e, une victoire, un nul, une défaite. On a perdu contre Angers, qui la semaine d'après s'en prenait 6 à Lyon. On fait 1-1 contre Montpellier, qui va être une équipe pas simple, évidemment, avec Zinedine Mollet. Est-ce que j'ai besoin de parler de Mollet? Non? Vous le connaissez tous. Donc qui a battu Lyon cette semaine, qui fait 1-1 à Bordeaux, donc qui contre les très gros clubs de Ligue 1 fait le taf. Et donc on a gagné 2-0 à Dijon, mais Dijon c'est... Ouais, va falloir nous laisser maintenant, messieurs, dames. Va falloir vraiment nous laisser. Les matchs de Bordeaux, je n'ai pas pu les voir complètement concentrés en entier parce que je travaillais le 10 août, le 17 et le 24. J'ai vu des résumés ou des bouts de match au food truck parce que dès qu'il y a un match de Bordeaux, inutile de préciser que le portable est mis juste au-dessus de mon plan de travail et avec le son dans l'enceinte Bluetooth pour avoir le minimum syndical. Et dès que Bordeaux marque, j'étais content. Et le match de Angers. Autant vous dire que les clients ont payé plus cher leur burger. Alors, très très bon ça, chef d'entreprise. Parlons de Bordeaux. On fait un début de saison moyen en termes de résultats, sur le jeu aussi. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'on va à un moment réussir à comprendre ce que veut Souza et ça là, là. Quand même la difficulté du style de jeu appliqué de Souza. Parce que c'est quand même rare, un club de foot actuellement, c'est rare, dont on dit l'entraîneur, alors l'équipe n'a pas des très bons résultats, mais c'est pas l'entraîneur le problème. C'est quand même très très rare ces dernières années, je pense même, je peux peut-être exagérer un peu là-dessus. Mais là, clairement... C'est vraiment pas du tout l'entraîneur le problème, qui a une vraie ambition de jeu, etc. Et c'est peut-être là le problème, si en fait c'est un peu l'entraîneur, parce qu'il a une vraie ambition de jeu. L'ambition devient un problème, c'est le problème. Ça commence à aller loin le débat là. Et donc ça fait plaisir quand même. On tente des choses, mais les dirigeants n'ont pas donné toutes les clés promises à l'entraîneur, de ce qu'on comprend des conférences. Donc on fait des recrutements de ce qu'on peut lire ou quoi, pas forcément voulu. Ah putain, je suis à Příbram. Pas forcément voulu par l'entraîneur. Donc il s'est un tout petit peu adapté. J'imagine que ce n'était pas forcément ce qu'il voulait. Il peut pas forcément trop s'adapter. Mais je pense qu'il a beaucoup insisté à l'entraînement. Mais on s'en sort pas trop mal, il n'y a pas eu de vrai gros challenge. Là, on va jouer face à Lyon, et après, on a une période assez facile. Je crois qu'il y a du Metz, Mika me le disait, il y a du Metz, Brest, Nantes, là, dans les semaines à venir, etc. Je crois que c'est ça, et donc on va peut-être pouvoir mettre quelque chose un peu en place en termes de confiance. Lyon, moi, j'y crois pas du tout, on va se faire défoncer le cul. Mais des contre Metz, on peut peut-être se relancer et puis faire un bon enchaînement si ça, la mayonnaise prend bien, avec le recrutement notamment de Koscielny, qui est pour moi une très bonne recrue. Voilà, va falloir voir. Va falloir voir, mais il y a surtout des départs à faire, libérer de la place, libérer de l'argent, etc. Et bien équilibrer l'effectif, continuer à donner sa chance aux jeunes. Pas tous en même temps, pas un milieu de terrain Lautin Tchouaméni par exemple, ça serait bien. Donc voilà, très rapidement par rapport à Bordeaux. Je leur donne du temps, moi j'ai toujours voilà. Je suis pas trop pressé parce que en fait je vois que c'est pas.
C'est pas forcément un problème de jeu. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, donnons-nous un peu de temps. Et effectivement, quand on sera 16e au mois de décembre, là, je commencerai à dire, bon, on a donné assez de temps, on dresse le bilan, il faut arrêter, il faut prendre une décision. Là, ok. Mais là, on est au début de nouvelle saison, on n'a pas fait une bonne fin de saison l'année dernière, mais parce qu'on n'avait pas du tout la tête à cette fin de saison. Maintenant, c'est une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs et quand même du recrutement. Donc maintenant, on peut être un peu moins patient, on peut être plus focus, plus concentré sur la saison. Donc les supporters ont aussi le droit d'être plus exigeants pour cette nouvelle année. Voilà, par rapport à Bordeaux, tout ce que je pense. Ça m'étonnerait que ce soit tout Bordeaux, là, toute la conversation sur le chat. Saint-Étienne n'est pas bien non plus rassurant pour l'instant. Ouais. Encore une fois, Gassé aura fait vraiment du très bon travail dans les derniers clubs dans lesquels il a été. Je pense que s'il y a vraiment un bilan de tous des. Allez, depuis 10 ans, on regarde ce qu'a fait Gassé dans le football, je pense que ça peut être intéressant de voir le bilan. Monaco et Marseille, c'est très inquiétant. Monaco, c'est clairement pas un problème de. Enfin, de nom de joueur. Il y a un truc, je pense qu'il y a une, enfin c'est même plus une blessure profonde là. Je vais lire un peu avant de lancer sur Monaco par exemple. Le problème c'est que le mercato n'a pas du tout été en adéquation avec les besoins de Souza. On est d'accord. Ça, on pourra pas dire qu'on lui laissera pas le temps à Souza. Sacha Paty, c'est quand même compliqué. Il arrive en cours de saison avec des nouveaux dirigeants qui pensaient déjà l'année d'après et lui aussi. Effectivement, moi j'ai quand même retweeté un jour là par rapport à la série de matchs sans victoire de Bordeaux depuis la saison dernière, mais c'est quand même, je suis quand même patient parce que, et que ça avait été Souza ou un entraîneur français, hein. Le contexte d'arriver en milieu de saison avec une équipe qui a une ambition, qui pense surtout à l'année prochaine, aux investissements, rentabilité, à toutes ces conneries, voilà, c'est compliqué, vraiment compliqué de juger. Par contre, là, on a vraiment le droit à partir de maintenant, de cette saison, de juger Bordeaux. L'année dernière, comme je vous disais en stream, moi je m'en battais les couilles. Je pensais déjà à l'année prochaine, comme les dirigeants, comme les entraîneurs et comme les joueurs aussi. Et le problème, c'est qu'il y a une ambition de jeu, mais genre, il faut peut-être, voilà, avec les nouveaux joueurs, la mayonnaise peut prendre. Avec le départ de joueurs comme Camano, voilà, on s'est débarrassé de Vada, on s'est débarrassé de Mancini. On fait un peu le tri de ceux qu'on n'en a plus besoin, on crée un vrai groupe. Un petit coup de chance sur un ou deux régennes. Les fameux régennes de Bordeaux, les petits jeunes qui veulent tenter l'équipe première. Ça peut faire un top 6. Top 7 si ça prend bien. Je voudrais quand même Bordeaux si Marseille gagne ça pour moi. Ça va être dur d'aller à Nice cœur. Hein. C'est très dur Nice. Hein. Nice en fait n'a pas une bonne attaque. Et par contre une défense qui est, enfin, qui est monstre. Dante, le retour de Dante en Ligue 1, j'ai toujours du mal à comprendre tellement je le trouve fort. Par contre, il y a des matchs où il est passé clairement au travers. Hein. Parce que j'aime beaucoup regarder Nice. Il a quand même des matchs l'année dernière où enfin, c'était le néant. Mais ça, c'est un monstre. Ouais, tu as lu le même interview que moi, Fury. C'est pour ça. Oui, alors, il venait juste de se faire licencier. Donc il avait un peu le seum, ça se sent dans l'interview. Mais il avait l'air de dire des vérités quand même générales sur Bordeaux et sur le mercato. Donc c'était très intéressant quand même. Ouais. Faut faire attention. Pardon, mais les discours d'entraîneur qui découvrent un peu pour la situation. Ouais, faut voir par rapport à ça, Chapati, par rapport au discours d'entraîneur et aux situations d'argent, les enveloppes, les fameuses enveloppes. Je pense à Marseille, ça va viser mieux l'Europa League que des gens intéressants. Ouais, l'animation offensive est la même que l'année dernière. Et ils ont remplacé du bon départ de bons joueurs. Arrivée de bons joueurs, départ de joueurs, arrivée de joueurs, départ de remplaçants, arrivée de remplaçants. Je trouve que c'est assez bien équilibré le mercato. Et avec une ancienne pépite FM, Geronimo Rulli notamment. Massia en chef de recrutement. Faut voir ce qu'on fait en panic buy dans les jours à venir là. Faut voir. J'ai vu des rumeurs sur Briand notamment. Ça m'intéresse. S'il y a un départ de Briand, ça m'intéresse.
Toujours c'est dingue. Autant on a gagné un amical. Moi je pense que Rennes va nous faire une Lille de la saison dernière. Ouais, le Rennes c'est moi. Enfin le. Rennes, depuis l'arrivée de cet entraîneur, c'est incroyable l'évolution. Incroyable. Bon, la carte à VTR, printemps, j'ai deux générations, je prends voilà. Ouais. Selon Romain Molina, si je me rappelle bien, il dit que tout plein de joueurs n'en veulent pas un truc du genre. De Leonardo Jardim. Ok. Ouais. Mais les nouveaux joueurs étaient presque tous déjà là l'an dernier quand même. Oui. Mais il fallait, tu sais, il y a des joueurs qui ne se sentent pas forcément épanouis dans tel groupe. Et ces changements permettent de changer aussi leur niveau de jeu et d'adaptation, etc. Moi, tu vois, le De Préville de l'année dernière, et même si sur la fin de saison, déjà l'année dernière, on voyait que De Préville avait vraiment step up. Et je pense que ce changement aussi lui a fait du bien, De Préville. Changement d'entraîneur et de groupe de manière générale. Et pourtant, c'est un joueur qu'on a depuis maintenant pas mal de temps. Donc, c'est même des petits changements comme ça, je pense que ça peut changer. Je pense à Gourcuff qui était le mec le plus épanoui du monde à Bordeaux. Et on a vu le niveau extraordinaire du joueur à cette époque. Au Gourcuff de Lyon, puis équipe de France qui a complètement disparu. Et puis les blessures, mais les blessures, on sait que comme tout problème généralement physique, il y a quand même une. Je peux pas dire totalement, parce que c'est pas vrai, mais il y a quand même une partie de psychologique. Et ça comprend plein de choses, le côté psy, bien évidemment. Ouais. Mais c'est là où ils sont forts en défense, Jomo. C'est qui? Les CPA, c'est généralement conclu par certains défenseurs. Donc le secteur défensif de Nice est très stylé. Par contre, je suis vraiment déçu de pas avoir plus de matchs, pas avoir pu voir de matchs de Nice. J'aimerais beaucoup. S'il y en a qui ont regardé des matchs, je voudrais surtout avoir des infos de Danilo, bien évidemment, le très 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 gros joueur dans FM. Je vais regarder sur WhoScored, mais normalement, il a eu pas mal de temps de jeu. Mon petit Danilo. Dernier match amical de Nice, ils ont perdu 8-1 contre Wolfsburg. Deux premiers matchs de championnat, ils gagnent 2-1 et 2-1. Bon, après, c'est Amiens et Nîmes. Le match de ce soir va être très intéressant. Je vais trop, trop me caler devant ce Nice-Marseille. Très, très, très content de voir enfin un match de Nice. Alors, on va regarder justement ce que je veux voir. Donc, j'ai dit le temps de jeu. Alors, en temps de jeu, c'est Tamez, RL, Dante, Cyprien. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément Danilo. Alors, s'il y a eux. Il n'y a pas eu de temps de jeu? Qu'est-ce que j'avais vu alors? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi j'avais vu sur une feuille de compo Danilo? Il n'est plus là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il est où Danilo, les gars? Mais il n'y a pas de drapeau brésilien ni portugais. Il n'a pas joué depuis le début de la saison, Danilo? Putain, le chat doit m'insulter. Aïe, 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 aïe. Allez, vas-y, cher les fesses. Donc j'en étais à qui a écrit tout ça? Danilo, arrière-droit? Non, Danilo, le grand Danilo, milieu centre, ex-Braga. Ok, le chat m'a pas insulté, c'est que bon, il a dû disparaître. Marseille, je lisais un Twitter, non, il dit l'autre fois, en fait, JHE. Tu penses? Tu penses qu'ils ont fait ça à Marseille? Ah, ça me paraît gros. C'est le foot aujourd'hui qui fait du all-in sur une saison comme ça? Sur une enveloppe? Je sais pas, je suis pas trop d'accord avec ça, Kier. Ça me paraît un peu too much. Oui, j'aime beaucoup Huijo. Ouais. Wang Huijo, la gestuelle qu'il a est très intéressante.
Un vrai profil de finisseur. Moi, j'aimerais vraiment en pointe. J'aime beaucoup au bord de la surface et dans la surface, il a une vraie gestuelle de buteur. Petite coupure, parce que je souhaite un joyeux septième mois d'affilée à Nobody's qui arrive sub. Merci beaucoup, mec, pour ton soutien. Merci, merci beaucoup de ton septième mois d'abonnement à la chaîne. Merci, vraiment, c'est cool. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi dans FM, bien sûr. Ouais. C'est aussi court-termiste, vous pensez, Marseille? J'arrive, 200 millions, boum, Ligue des Champions. Ah, personne pense comme ça, quand même. Pour ça, c'est même plutôt les bons joueurs offensifs, mais le def, c'est plus des joueurs basiques. Ah, j'aurais dit l'inverse, moi, Werder-Hahn. Je trouve notre défense, Pablo, Koscielny et... Bah, c'est pas Jovanovic. Il a mis qui? J'ai un trou. Pablo, Koscielny et qui c'est qui a joué à Dijon, le troisième? Mexer, je suis con, là, côté de Rennes, pardon. Je galère. Jovanovic en remplaçant. Moi, j'aime beaucoup la défense, vraiment. Mais en animateur offensif, donc Huijo. Alors, par contre, je suis très content de Huijo. De Préville, qui est sur une. En même temps, il était tellement bas que ça peut que monter. Kalou, j'ai un peu de mal encore. Je trouve qu'il est bon tricoteur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça va, ça vient quoi. Otavio, j'ai eu un long résumé. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Très très bon match à Dijon. Le but de Benito, bon, c'est CPA, suite à un CPA. Mais c'est vraiment la première fois que je vois un très bon match d'Otavio dans un milieu où il est à deux à côté de quelqu'un. Comme j'en parlais sur le fait que je le trouve très bon dans la défense et pas super dans un milieu à deux. Je reparle de Bordeaux, je suis un connard. J'avais beaucoup aimé son match. Encore une fois, j'ai vu qu'un résumé. Hein. Donc c'est la plupart des actions du match. Mais de ce que j'ai vu, je l'ai trouvé bon. En même temps, je lui suis tellement tombé dessus que j'en suis devenu un peu, peut-être un peu plus attentif de ses perfs. Voilà, 4-1, 4-1 def. Pardon? Un tir, un cadre. Non, deux. Attends. 6 en finition, il va me faire un tir, un cadre et un but, 6,4. Avec 6 en finition, il met une tête plein coin. Non, non, ça va être un match serré qui aura ça. Ça, ok. Danilo n'a pas joué. D'accord. Le Danilo de Braga, le MC dans FM, il était monstrueux. En box-to-box, regarde dans FM, il est monstrueux. On reste fidèle. Merci beaucoup, mec. Danilo, ouais. Pas en ligne sur 2 ans. Ouais. En 2 ans, Bo a fait beaucoup de mal au milieu de l'OM. Zambo était sacrément nul quand même, hein, techniquement. Mais bon, il soutient. C'est un protecteur de créateur. Par contre, 1v4, 1v4, 1v4. Ben non, il a le compte favorable en 1v4, as usual, avec son 6 en finition. Et bon, il balance ses blonds bajons. Direct. Bon, attendez, je me fais douiller par FM. J'arrive. 1-4-1-4-1 avec le buteur 6 en finition, tête plein coin sur le seul tir cadré qui fait du match. On a fait une possession stérile. Ouais, c'est trop tard, j'ai pas eu le temps. Bon, ouais, GG à eux, 4-1-4-1, c'est compliqué comme tactique. Voilà. Yes.
Alors, comme d'habitude. Yes, voilà. Allez, hop. Ah, c'est de la coupe. J'ai rien dit. C'est cool. On a buté sur un joueur à 7,4. Yes. Allez, 6,4, 6 en finition, un tir cadré plein coin. Let's go. Je joue contre Pizzen dans 3 jours, j'ai pas fait de rotation, ça par contre. Prochaine défaite, je la mérite. Je la mérite totalement. Au 100 carré, il a pas du tout la tête au club. Il a plus envie. Ah, l'investissement Strootman a été une erreur. Mais ça, c'est comme dans FM, hein. On fait un transfert, on se trompe et ça fait mal. Ça peut faire très très mal, hein, un transfert raté. Surtout de l'envergure de Strootman. Est-ce que ça coûte? Ouais. Le recrutement de Strootman a fait très très mal. L'OM est très très mal géré. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais moi j'aimerais vraiment. Les Kalaitachar et Radonjić, moi je pense qu'en insistant et avec du temps de jeu, je pense que vraiment, au lieu de faire de la rota ou des mauvais postes, ou remplaçant qui rentre à la 79e minute, moi j'ai plus confiance quand même. C'est des investissements, mais je j'aime bien, perso. Le profil du joueur, ça dépend du système mis en place, surtout. Tu peux jouer sans milieu physique, suivant ce que tu veux faire. Effectivement, si tu joues avec ce style de milieu de terrain dans ta formation, tu as besoin du mec physique qui bouge des gens, oui, effectivement. Mais on peut jouer sans dans le football. Pierre 2. Merci, c'est sûr. Oui, ça c'est. Je pense que le conseiller de Garcia, il a vu le meilleur timing du monde pour prolonger son client, hein, concrètement. J'applaudis vraiment le conseiller de Garcia. Meilleur timing du monde. Gros respect sur lui. Parce que là, ils ont plus. Là, c'était jackpot, hein. Vraiment jackpot. Je suis obligé de faire une rota. Là, c'est, j'ai pas trop le droit de me plaindre de la défaite. C'est l'équipe, beaucoup de remplaçants. Non, j'ai perdu le barrage européen l'année dernière. Donc, pas d'Europe pour moi, Werder-Anner, cette saison. Gustavo, Strootman, Sanson, Lopez. Ouais, c'est des joueurs qui ont besoin d'avoir un mec avec un peu de volume de jeu à côté. Oui, c'est vrai. Si on doit faire une formation qui s'adapte à ce milieu de terrain, parce qu'ils ont des rôles d'à peu près tous similaires, ouais. Mais Sanson a un beau volume de jeu, je trouve qu'il galope pas mal, j'aime bien. Je trouve que c'est presque dans ce milieu de terrain celui qui m'excite un peu le plus à l'heure actuelle. Évidemment que c'est Luis Gustavo, moi j'aime beaucoup Luis Gustavo. Comme je regarde pas les matchs récents de Marseille, je pourrais pas, je veux pas dire de bêtises. Mais Sanson, j'aime bien. Celui qui est peut-être l'un des moins sexy. Lopez, ça a été. Ouais, bah il a fait des fois, il a fait des passes courtes dans un match. Il a boosté ses statistiques. Tout le monde en a parlé. Puis c'est con parce que je pense qu'il en a quand même. Effectivement, on en a parlé à tort parce qu'il est capable normalement. Il est normalement capable. Je joue en mentalité def René Girard là. Bon, allez, vas-y. Mentalité René Girard.
À ma vie. À ma vie, il a coulé le pauvre. Ouais, c'est compliqué. Globalement, c'est pas simple d'être supporter de Monaco, de Marseille, de certaines équipes en ce moment. Pas simple, pas simple. Magnifique. La double parade du gardien, elle est magnifique. C'est qui le gardien? Davis et Passy. Avec 14 en réflexe. On les a bien vus là-dessus. Très 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 beau double arrêt. En vrai, là, moi, je vous avoue que quand je vois Marseille, j'ai juste envie d'allumer une partie FM et de vendre tout le monde, en fait. Parce que déjà, dans le jeu avec Marseille, t'as beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment parce que c'est que dans FM, hein. Désolé, les gars. Mais j'ai envie de vendre tout le monde. Et tu construis, vas-y, quoi. Et puis, tu veux vraiment, tu peux bourrer en recrutant Xada, Trincao, tous les jours péter, là. Tu te fais plaise. Ah ouais, tu te fais plaise. Parce que t'as la réputation de Marseille, le Grand Club 93, Stade de la Havane, à jamais les premiers. Tu peux jouer là-dessus en plus. Tu vires les très gros salaires de Marseille, ça te. C'est trop facile, ça, c'est trop facile. Oui et non. C'est pas très très compliqué une partie avec Marseille. Mais dans cette optique-là, ça facilite. Hein. En mode aspirateur, là. Po, po, po. Je vais faire rentrer Djordjevic. Je vais repasser Kazolia en ailier. On fait pas un bon match, mais en même temps, je suis en mentalité def à domicile contre Pizen. J'ai pas envoyé sexy au 38-22-22, quoi. Pas se mentir. Ça dédouble. Ça a pas dédoublé côté droit, le latéral, pas assez rapide. Ça. On joue bien en mentalité def, c'est bizarre. La mentalité def contre les gros clubs. Wait. Hein. Oui, bah c'est oui. Marseillais toujours dans la vue, hein. C'est ça, d'où l'expression tu fais le Marseillais, hein, bien évidemment. Alors, peu de gens peuvent. Quand il a envie de jouer, peu de gens peuvent se mettre au niveau de Verratti. Et j'ai bien dit quand il a envie de jouer. C'est un joueur très très stylé. Et pourtant. C'est toujours pareil, je me défends en disant ça, mais de ce que j'ai lu, il a une hygiène de vie pas au top. Il a eu des blessures quand même. Bon, en même temps. Encore à gauche, ou à droite, ça dédouble, mais le gauche était très bien. Quel dommage. Ton pote en ailier droit, ton pote en latéral droit, gros. En bas. Ouais, encore en bas. Et encore en bas quand il dédouble. Encore en bas quand il dédouble. C'était très bien, les gars. On joue bien en mentalité def, c'est ouf. Voilà, on amène le pressing, le bloc à gauche. Putain, fallait faire retrait, basculer à droite là-dessus. Quand le bloc a bien remonté sur Gurgevic, fallait être un peu plus patient. Ah, je vais pas mettre jouer le ballon dans la surface, ça va être trop patient après. Faut faire un changement en tout cas parce que physiquement ça doit tirer. Le petit Tobias, le jeune Tobias. On termine le match comme ça. Suis un connard aussi. Faut qu'on tienne physiquement, change juste un buteur pour un buteur. Pire entraîneur. Ça c'est très bien trouvé. Ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. On a deux comptes favorables, penalty. Vous avez pour... Je suis concentré sur le match et ça, je vais rattraper. Le problème, c'est que. Enfin, le problème. Marseille crée du débat, c'est normal. C'est un club populaire.
les 1-0 en fin de match, tu peux être sûr qu'il va y avoir des replays pour l'équipe adverse. Tu peux être sûr. Et là, il n'y a pas de replay, il y a juste ça parce que j'ai fait un changement. Et ma statistique tombe à l'eau. Je trouve ça bizarre aussi. Ils vont avoir une dernière occasion et je vais faire dans 20 secondes. On va voir. Voilà. Ah non. Ils ont fait beaucoup de fautes. Ça, c'est très réaliste. La frustration créée par la mentalité défensive, elle est bien retranscrite dans le jeu. Étant donné que moi, quand je joue contre des équipes très défensives, vous l'entendez très très bien ma frustration. Très très bonne victoire face. Alors je pensais vraiment pas. Alors là, s'il y a bien une game où je me donnais zéro chance de rager, c'est bien celle-ci, on gagne un zéro. Plitzen doit faire un très mauvais début de saison. Vu l'équipe qu'ils ont, j'ai fait une grosse rota de 4 joueurs. Je suis très très surpris, très content. Comme quoi, on peut faire des rotations dans FM. J'attrape mon retard sur Marseille. Let's go. Alors, ça dit quoi? C'est quand même ça. Ok, là, quand même. Oui et non. Les dirigeants sont coupables de pas mal de problèmes, je pense. Ah, apparemment, ouais. Je connais pas les résultats de Marseille en catégorie jeune. Ouais, mais Thauvin est tellement important de l'animation. C'est le joueur le plus important de l'animation offensive de Marseille, Thauvin. Thauvin en pointe. Non. C'est parti, le Duc Lapag est remonté ou pas? Ouais, ils sont là, le Duc, là. Ils sont sixième. Possible. Ouais. Le contexte monégasque n'aide aucun joueur de football actuellement. Monaco, c'est effrayant. Vous vous rendez compte quand même que Monaco a perdu 3-0 à Metz. J'ose penser que ça sera le meilleur résultat de Metz à domicile de la saison, gagné par 3 buts d'écart ou plus. Un 3-0 face à... Je pense que ça va être le meilleur résultat de Metz de cette saison, et c'est face à Monaco. Prochain match, ils vont gagner 4-0, je vais fermer ma gueule. Super. Mais c'est Bordeaux le prochain match. C'est pas ça? Ah non, c'est oui, non, ils vont à Bordeaux, parce que le prochain c'est Lyon-Bordeaux, bien sûr. Le 14 septembre, il y a un Bordeaux-Metz. S'ils mettent 4-0 à Bordeaux, putain. Mon Dieu. Pas d'attaquant, ouais, Germain. Il va falloir qu'on lui tombe dessus un peu aussi, Germain. Non, mais ça a toujours été depuis 93, ça, cœur. Vous nous cassez les couilles depuis 93 avec cette Ligue des Champions. Donc, forcément, au bout d'un moment, n'importe quelle équipe qui va jouer à Marseille se met en mode Ligue des Champions. Là, faut assumer, au bout d'un moment. Club populaire, encore une fois, c'est pareil pour Paris. Hein. Lyon, ça l'a été pendant les années 2000, c'était un cauchemar Lyon. Mais Marseille, ça restera. Trop match, c'est pas anodin. Ouais, non, mais marre. Catastrophe. Monaco, tu vois des défaites avec un 3-0 à Metz et tout. Tu regardes leur nom sur le plan offensif, tu dis waouh. Et là, tu vas dans Mercato, tu vois, ah, transfert à Monaco, et là, tu vois, ah, bah tiens, un joueur offensif. Yes. Moi, je pense qu'il y a des recruteurs, par contre, là, qui se touchent la nouille de chez, comme Jaja, à Monaco. Soit ils doivent fermer leur gueule et il y a une personne décisionnaire. Soit ils se touchent, soit c'est quoi? C'est un boulanger, un charcutier et un cordonnier qui sont recruteurs à Monaco. C'est une catastrophe. Enfin.
Il y a Jemerson et Glick, je pense qu'ils n'ont pas leur place dans le top 5 de Ligue 2 actuellement. Très sincèrement, je pense pas qu'ils aient leur place dans le top 5 de Ligue 2 actuellement, Glick et Jemerson. J'ai rarement vu une aussi grosse chute de niveau que ces deux-là en un an et demi. J'ai jamais vu ça. C'est... J'ai plus de mots. Y a pas de mots en fait. Je vais pas chercher, je vais perdre du temps en fait. Ils sont nuls à chier. Mais alors vraiment, c'est effrayant. Et pourtant, il y a eu retour de Jardim. Hein. Sous lequel. Oui, mais Abdeno, on le voit pas jouer. Il ne joue pas Abdeno. Alors, comparé au temps de jeu de Jemerson Glick. Heureusement que Marseille, vous avez eu l'intelligence de foutre Abdeno au Yémen ou je sais plus où. Ça, c'est un très beau move d'ailleurs. Il faut souligner quand Marseille fait des trucs positifs. Le fait de ne pas faire jouer Abdeno, c'est très bien joué de leur part. Mais Jemerson Glick, il joue au football. Ils sont sur le terrain. C'est là où c'est grave. Floquito, bonjour. Ouais, il y a des choses qu'on doit pas avoir, il y a des informations qu'on ne doit pas avoir, nous, spectateurs de football. S'il y a des choses que j'ai même pas de réponse et du mal à comprendre. Les Germain, Mitroglou, qui... Enfin... Je sais pas. S'il prolonge Jemerson, Monaco... Moi, je à partir de ce moment où j'y prolonge Jemerson, je fais tous les jours, je me moque d'eux. Je bouge plus. Exactement. Mais ça, c'était longtemps déjà à Monaco pour The Bab des Noirs. Vous êtes débarrassé d'Bab des Noirs, grosse équipe. Ouais, bah ça fait longtemps que j'avais pas stream, Floquito, donc il y a aucun souci, t'inquiète. Ouais, Doria, pareil, hein, ça jouait un peu FM. C'est fait la prolongation de Jemerson, hein, je vais leur chier dessus tout le temps. Là. Franchement, ils devraient mettre de l'argent de côté pour faire de la corruption, Monaco. Moi, je vois que ça roule dans... Ah là, faut arrêter. Vraiment, c'est très grave. Je ne vois pas cette équipe, par contre... Pour leur défense, je ne vois pas cette équipe ne pas se réveiller. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça va se réveiller. Jason Martins va leur sauver beaucoup de matchs cette saison. Déjà comme la fin de saison dernière. Mais non, il va y avoir un truc. Aguilar, Lecomte, c'est quand même des joueurs de foot, ça. Il va y avoir quelque chose au bout d'un moment. Sparta. Et 14 jours de repos après le Sparta et on enchaîne des matchs un peu plus faciles. Mais là, Sparta, ça va être très dur. Donc, on n'a pas d'Archal, bien évidemment, qui est un jour qui nous est prêté par nos potes du Sparta, justement. Doria, l'exploratrice, j'aime bien. Ah oui, ça faisait vraiment très longtemps, effectivement, Floquito. Golovin, quel gâchis aussi, ouais. Tout va très vite dans le football, hein. Tout va trop trop vite. Hein. C'est... Vous vous rendez compte là, la vitesse où on vient de mettre sous les projecteurs Kamavinga de Rennes? Vous rendez compte? Alors, il y a de l'exceptionnel dans Kamavinga. Bien évidemment, on s'entend. Hein.
Il est très 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 jeune. Il a fait un très 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 bon match face au PSG. Mais tout de suite, t'entends tout, quoi. Au prochain match, il va être comparé à Pirlo, quoi. Enfin, on va en être là, quoi. Il faut faire très attention. Parce que si le match d'après, il se prend des ligaments croisés, et qu'un an après, il joue à Chambly, voilà. Donc, allons. C'est vraiment. J'en parlais avec une nénette, ça. Vraiment, la culture de l'instantané, ça marche dans tous les domaines, tous les secteurs, tout partout. On veut tout maintenant, tout de suite, rapidement, tout, tout, là. Faut que ça aille vite. On a tous la fibre, on a tous la 4G. Camavinga, il a fait 80 passes tentées, 80 passes réussies de 200 millions d'euros. Aïe hop. Calmons-nous, quoi. Moi, JPP. Je vous le dis. Ah, la tête. Alors, putain. Je vais compter combien de joueurs il a devant lui pour faire la tête. On va compter ensemble. Stop. Donc là, si, mais juste là. Les 3 MC, quoi. Il fait dans une tête dans son dos. Il se met pas face au ballon, il se met dos au ballon, il fait une tête arrière. Même là, je suis avec l'ailier, ça fait 4. Pas le replay en entier, c'est le symbole de ce FM. Le jeu de tête dans ce jeu. On réagit vite. Elle est belle celle-ci. Cazoli qui est le centre lobe tout le monde. Il est très très beau. Je les encourage un coup. Dommage. Il faut attendre quelques mois pour le juger, Kamavinga, bien sûr. Il est très très jeune. Très 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 jeune. Qui vous dit pas que dans 6 mois il va rencontrer l'entourage de Ousmane Dembélé, quoi. C'est sans faute, Finneck dans la surface. Très très beau ce que t'as fait, mon grand. La Pirlo deuxième. Encore? Encore? Qu'est-ce que vous, quand vous jouez comme ça, les gars? Encore? Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Oh, putain. C'est trop beau ce qu'on a fait. Gauche, pouit, 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 pouit. Droite, pouit, 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 axe. C'est trop beau. Quand vous jouez comme ça, bordel. Mais quand vous jouez comme ça, FM est le meilleur jeu du monde. J'en oublierai presque cette tête retournée, décalée derrière, de dégueulasse. J'en oublierai presque ça. Non, après, bon. Il doit pas avoir une bonne note en tête, mon Dédé, donc. Du coup, ça fait des jojo dos au ballon dans ma surface et je fais des têtes décalées à rien. Mais bon. Je pardonne. Quand on joue comme ça, je pardonne pas mal de choses. Le dédoublement était très bon, très bien attendu. Boum! Qu'est-ce qu'on joue bien? Putain, en mentalité def, on est monstrueux. Hein. Je vais devoir jouer comme René Girard? Non. Pas comme ça, Thomas. Pas après tout ce que t'as fait. Est-ce que je vais devoir switch en 4-1-4-1 mentalité def? Moi? Faites-moi un retour à la réalité, Sparta Prague. Mettez-moi un but dans 5, 4, 3, 2, 1. Occasion pour le Sparta Prague maintenant? Maintenant? Je vais casser le jeu. Hop, comme s'il n'y a pas d'occasion. Ok, ça se passe bien.
Moretti à la place de Yanushka. Oh, il fait un bon match, Yanushka. Trebuchkan Yanushki. Oh, Moretti, on met ça à l'attaque. Oh, inspiration 12. On sait jamais, il va peut-être marquer une frappe de loin, la 86e. Ouais, c'est ça. Mais si ça marchait que pour les médias, enfin ça marche vraiment pour tout en fait, tout, tout, tout. Je vais faire, bah, moi sur mon expérience, les sites de rencontres, ça va, tout va tellement vite, les nanas, elles ont tellement de choix dans les mecs que lui non, oui, mais ouais. Tout est instantané. Vous avez accès à tout. Tout, 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 tout va très vite. Tout. Vous faites vos courses, vous prenez votre portable, vous mettez ça dans le panier, vous mettez l'horaire, vous allez chercher. Incroyable, tout ce qu'on peut avoir en instantané. Et du coup, on est exigeant pour tout. Neymar, on veut tout savoir maintenant. Et du coup, comme les médias savent que c'est ça, il suffit que Abdel, qui habite pas loin de la maison de Neymar, il se promène avec son chien et sa chérie et qu'il voit Neymar chez lui avec un maillot du Barça, il va le dire à Jean-Hugues, qui va le dire à Pierre-François, qui va le dire à Pierre-Françoise. Et trois trucs plus loin, on arrive sur Twitter. On arrive trois trucs plus loin, on arrive chez l'équipe qui dit Neymar avec un maillot du Barça, son retour est inévitable. Ça va, c'est. Des fois, certains tweets, c'est vraiment ça. C'est exactement ça, quoi. Tout va trop, trop vite. Camavinga, Barcelona, sûr. Un source, t'inquiète. J'ai mes infos. Ntep, ça allait beaucoup trop vite. Et là, ça brûle, hein. Et ouais. Lopez. Est-ce que ça, son niveau de jeu? Sa montée au niveau de jeu, est-ce que la perte de son talent correspond à la rencontre avec sa meuf? Parce que la théorie du psychologique, moi, me paraît toujours très très pertinent dans le football, tout ce que l'on ne sait pas. Mais un mec, moi je. C'est pas bien de juger le physique, déjà je ne fais pas ça. Un mec pas foufou, qui a une meuf très fofolle, est-ce que ça l'a pas perturbé tout ça? Je vois que ça, parce qu'il a eu quand même pas mal de temps de jeu. Il a une vraie qualité, Lopez, hein. Moi, il n'y a que le. Dès qu'on a su pour ça, Nana, il a tout perdu. Être ça. Je connais pas son hygiène de vie, je connais pas son professionnalisme. Ah, parce que la jeune pépite, c'est comme du coup une jeune pépite d'or, c'est de l'argent. C'est de plus en plus du commerce, le football. C'est assez effrayant. Je pense que c'est ça qui augmente l'intérêt de l'instantané dans le football. Y voir. On va pouvoir investir, on va pouvoir donner des dividendes aux actionnaires. C'est faillant. Quand on voit qu'il y a des top 300, top 500 fortunes mondiales qui investissent à Nice, à Monaco, je pense à Ribolovlev et Radcliffe notamment, il doit y avoir une rentabilité. Ces gens-là,
sont les hommes les plus riches. Vous en avez compte? Radcliffe, il est 110e fortune mondiale. On est toujours à peu près 6 milliards, 500 millions, quelque chose comme ça, non? Combien on est dans ces eaux-là? Le 110e homme le plus riche du monde fait partie des 110 hommes les mieux entourés par des conseillers financiers dans le monde. Et il achète un club de foot. Donc c'est que... Il y a rentabilité, forcément. Quand on est riche, enfin, quand on est riche, on veut le devenir encore plus. Quand on est pauvre, généralement, des fois, on est un peu trop gentil, généreux, honnête. Je me dis que même si le mec est 110, il veut gratter le top 100. Donc, acheter un club, Mika me disait qu'il a déjà une team de vélo. C'est qu'il y a forcément rentabilité. Après, Nice, c'est pas impossible, hein. Ça achète pas trop mal. Ils peuvent viser des achats-reventes. Ça reste un très bon centre de formation, globalement, Nice. Mais ouais. C'est trop. Salut Fargaus. Ça va bien, ouais. J'ai des infos sur Lyon. Lopez et Dubois qui ont plongé. Ouais, Lopez, c'est. On fait une petite rumeur PSG, l'agent qui passe un coup de fil à l'équipe, qui fait une petite rumeur PSG. Il gratte une prime de signature de 50K sur le contrat. Lyon fait ça, ils augmentent son. Ils doublent. Ils augmentent de 30% son salaire. Non, ça c'est classique. Évidemment que Lopez n'allait pas aller au PSG. Facile. Mais c'est bien joué de sa part. Bien joué de la part de l'agent. Mais c'est un move extrêmement classique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça a pu marcher quand même. Et Pep Genesio. Ouais, première fortune du Royaume-Uni. D'accord. Des sous-sous. Ça gâche un peu, hein. Heureusement qu'il y a quand même des entraîneurs qui arrivent à faire, malgré tout ce bazar, un peu de bonne mayonnaise avec tous ces œufs, toute cette moutarde, tout ce petit filet de vinaigre, tout petit filet de vinaigre à la fin. Ça ressorte bien. Sel, poivre, jaune d'œuf. Bref, parce que sinon on serait que tout ça, ça cacherait notre plaisir du football, de regarder du football. Vraiment trop peu d'équipes qui ont gardé un niveau intéressant. Faudrait que je regarde un peu Séville cette année pour voir comment Jules Koundé se comporte aussi. Jules Koundé. Qu'est-ce qu'on a donc ce soir? C'est Lille-Saint-Étienne qui peut être assez intéressant. Et Nice-Marseille. Oh putain, ce soir. Ce soir, je vais bien me caler tranquille devant ces deux matchs, je pense. Metz PSG vendredi. On va à Lyon samedi. Oh, il y a un Rennes-Nice dimanche. Nice. Ils sont sacrément dégueulasses les matchs de samedi, hein. Oh là là, Nîmes-Brest, Toulouse-Amiens, Angers-Dijon. Oh là là là, c'est moche. Mon Dieu que c'est moche. Ça me fait un frisson de honte. Ouais, si tu dois pas tarder à partir, Jomo, tu me dis, je passerai dessus, hein. Il n'y a pas de souci. Ajax à poil.
J'ai vu que le Dynamo Zagreb était qualifié. Après le Zvezda Zvezda, c'est l'étoile rouge Olympiakos, ils sont qualifiés ou pas? Donc aussi ce soir on a Ajax à poil, Slavia Cluj et Bruges contre l'ASK. Pardon. J'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. Bon, écoute. Finaghi continue d'évoluer. T'es cool. Ah oui, Toulouse. Le doc. Bah, ça dépend. On peut switch. On peut regarder vite fait la partie sur Francfort. Il est 4h10 déjà. À quelle heure faut que je fasse ça? Ouais. Je vais pas pouvoir faire un long stream dans tous les cas parce qu'il faut que déjà Rose ne va pas tarder à se lever d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. Après, il faut que je lui donne le bain, faut que j'aille à la pharmacie avec elle. On se promène un petit peu et après je la ramène à sa maman. Mon petit bout. J'aurais vu lundi soir, mardi et ce soir et aujourd'hui. Ouais, je vais switch maintenant. Roro, il fait des meilleurs matchs que Djokic. 5 arrêts, 3. 11 arrêts en 4 matchs. Un but encaissé. C'est Roro qui a joué contre le Sparta et contre Pizen. Et il fait 8 arrêts. On va laisser Roro titulaire. Ouais. Je sauvegarde. Je passais tranquillement. On va discuter football. Je vais passer sur Francfort. Parler un peu du 4-4-2 de Marcelino. Ouais, je peux faire qu'un petit stream. Ouais, je redonne déjà la petite. Hein. Je pense que c'est ça. Pour le déjà, ça doit être pour ça. Mais ouais. Bah parce que je travaille demain midi. Demain soir, bah j'aurais pu la garder. Mais après, c'est que vendredi, je travaille vendredi midi, vendredi soir. Samedi, je travaille toute la journée. 9h. 9h. Je fais quelle heure? Bon, samedi, je pense que je vais faire 9h30 du matin. Je vais à peu près arriver. Je dois arriver même un peu avant 9h, je crois. Par rapport à la sécurité, et le soir je repars vers 23h30 minuit. Grosse journée samedi. Donc dimanche matin repos. Et comme je travaille lundi midi, je la récupère lundi soir. Donc après, mardi, mercredi. Normalement, je travaille pas. Je serai m'occuper d'elle, même si c'est le retour de la nounou. Je la récupérerai plutôt chez la nounou pour passer un peu de temps avec elle. Pour passer du temps, pas essayer, parce que je la récupère plutôt volontairement. Donc voilà, Francfort. Ouais, on arrive à la fin du mois d'août, là je l'ai vu, je l'ai pas énormément vu. J'ai pas envie de la. Mon ex, ça lui arrive par exemple de la réveiller plus tôt de la sieste ou lui pas faire de sieste et tout dans la. Mettant ses intérêts personnels d'aller à la plage avec son mec et la petite. Moi, ce non. À chaque fois que je la récupère et qu'elle a pas fait de sieste, c'est un cauchemar à vivre. Donc moi, je m'occupe bien de ma fille. Elle fait ses siestes, elle se repose, elle mange bien. On prend l'air, on profite. Donc ouais, parenthèse un peu plus intéressante que la vie de ma fille, le 4-4-2. Donc voilà.
Merci à tous. Je vais mettre l'article devant les yeux. Pouit, 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 pouit. Transcription tactique, le 4K2 de Marcelino à Valence. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, le lien est dans le chat. Ce 4K2, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le rôle des latéraux, quelque chose d'un peu plus offensif. Je n'ai rien changé au milieu de terrain. Je trouve que c'est un milieu de terrain qui est très assez bien équilibré. Pas une grosse projection offensive. On se retrouve avec trois mecs en mentalité soutien plus un MJR def. Le MASO est un rôle vraiment de coordinateur. L'ailier soutien fait le taf offensif, notamment mentalité prudente. Et le MJESO, pareil, rôle qui donne beaucoup de liberté créative. Donc en mentalité soutien et prudente, ça reste quand même tout doux. L'animation offensive, j'ai changé les rôles de mes attaquants parce que je n'ai pas... J'ai des joueurs capables de jouer des rôles exigeants, notamment Jovelcic. Il est capable de jouer ATC, rôle très exigeant. Et Fiete Harpe, j'ai mis son rôle de prédilection. Et comme j'avais un attaquant complet attaque, je voulais le premier rôle soutien qu'il était capable de jouer. Il a 11 ans, pas ce qui est pas foufou, mais derrière, je trouve qu'il a des bonnes notes mentales. Du coup, je le fais jouer en attaquant de retrait soutien, qui est son deuxième rôle préféré pour Fiete Harpe. Je suis sûr que plein de gens dans le chat ont déjà joué avec Fiete Harpe, qui est un très 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 gros attaquant dans FM, et ne l'ont pas forcément fait jouer sur ce rôle d'attaquant retrait soutien. Il coûte peut-être une meilleure rentabilité. Mais moi, je l'aime bien dans ce rôle. D'ailleurs, hein, 16 matchs, 10 buts, 7,24 de moyenne TCC. Donc, plutôt content. Jovelcic, peut-être un peu moins maintenant. C'est un rôle assez exigeant, mais ça permet d'équilibrer. Je trouve que ça, les deux font un très très bon taf. L'attaquant complet, ça me permet de bouger un peu plus. Donc, deux attaquants très assez physiques, avec des stats... des attributs physiques assez bien, assez forts, Jovelcic et Fiete Harpe. Donc ça c'est bien bien mis en avant dans le jeu. Et ça joue pas trop mal. Mentalité prudente bien évidemment. C'est un jeu assez projection assez rapide en contre. Là c'est des joueurs comme Kostic hein, qui vont être très efficaces, notamment. J'ai pas l'équipe type. Ouais, j'ai Chiquinho. Chiquinho est suspendu. Sinon, c'est lui qui est titulaire en MJR Def. Et en MASO, c'est Deguzman. Deguzman est un excellent joueur, excellent tireur de coup de pied arrêté, notamment. Marque souvent sur corner, marque souvent sur coup franc, fait des très bons. Tire des très bons corners. Comme vous voyez statistiquement, NDK est déjà à 2 buts. Des Guzman en est à 10 matchs, 5 buts, 3 passes D, ça va être 3 corners, je pense. Quasiment. Chiquinho est un très bon joueur. J'ai voulu le tester. J'ai pas payé très cher. C'est une très bonne surprise. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Un MJR Def assez physique. Qui est pas mauvais dans la récup parce qu'il a un 9 en tacle qui est pas mal. Il a du 12 agressivité, 14 équilibre. Ça se voit que c'est un mec qui se projette de l'avant parce qu'on passe tout de suite à du 15 vision, 16 vision de jeu, 15 techniques, 14 passes, 14 décisions, 15 contrôles de balle. Mais franchement, il fait le taf en MJR Def. Vraiment, et puis avec son dicte, son rythme et puis les pires lasses dans le dos de la défense. C'est un très très bon joueur, un vrai MJR Def. J'aime beaucoup dans ce rôle de MJR Def, Chiquinho. Donc voilà, il y a plein de choses qui ne changent pas, bien évidemment, de ce qui se faisait à l'époque avec cette équipe là. La même mobilité, l'animation offensive est un peu différente parce qu'on joue avec attaquant retrait ATC et avec Valence c'était faux neuf avec Rodrigo et attaquant avancé avec Zaza qui décrochait, qui était très 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 mobile. Et il y a des petites différences. Par contre, comme avec Valence, pardon, j'ai des très bons résultats def.
C'est un bloc très très compact. Encore une fois, par contre, j'ai un superbe équilibre défensif. Je pense que c'est vraiment le point fort de la tactique. Une tactique de contre-attaque où vous avez vraiment une solidité défensive, c'est très tueur. Très très tueur. Et en l'occurrence, des souvenirs, pour ceux qui se souviennent de la partie avec le Hertha Berlin, j'avais adoré Torunariga, pour ceux qui suivaient la partie, et du coup je l'ai recruté. J'ai recruté avec Francfort parce qu'il n'est pas cher. Excellent joueur. Monstre. Et il est monstre, toujours aussi monstrueux que dans la partie avec le Hertha. Vraiment le même joueur. Et qui me fait une très très bonne saison. Très 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 bonne saison, Torunariga. L'avantage d'être gaucher, physique, rapide, fort en saut, technique, il est monstrueux, hein. Ça n'a pas changé. C'est un de mes kiffs. Franchement, c'est un de mes kiffs de ce FM, Torunariga. Et vraiment, la défense, ma défense est giga stylée en fait. Elle est giga stylée avec évidemment, Jethro Williams, qui était prêté la saison dernière du côté de Newcastle, qui retourne de prêt à la maison, qu'un superbe profil, le 15 inspi, 14 techniques, 16 en centre, un gros lock, quoi. Dani Da Costa, le fameux Dani Da Costa, avec. Ça me fait penser au stream FIFA que j'avais eu la Coupe du Monde. Un mec qui jouait avec la carte Boost 95 de général, Dani Da Costa, je crois, un truc comme ça. Il n'est pas incroyable sur le placement def, hein, par contre. Je devrais peut-être pas le faire jouer l'off, parce que techniquement, il est just. C'est son poste de prédilection, donc bon, dans l'idée du camembert, quoi. Mais je pense qu'en DLSO, c'est beaucoup plus safe, quoi. Je devrais plus le passer en DLSO, parce qu'il est just. Vraiment technique, physiquement monstrueux. Mais 9 décisions, 10 en passe, 11 en technique, 11 en centre, 11 en contrôle de balle. C'est juste un mec qui galope beaucoup, quoi. Volume de jeu, déter, courage. Parce que 13, 13 stack, 13 marquages encore, c'est pas non plus. Incroyable, c'est bien, mais pas incroyable. 15 en touche longue. Donc voilà. Mais il fait le taf quand même. Il fait le taf quand même. Gros volume de jeu, gros volume de tacle. C'est pour ça qu'il a 7-24, parce que 11 matchs, 1 but, 0 passe D. Très très gros volume. Ndika que je découvre. Jamais testé, j'avais jamais eu l'occasion de jouer avec lui. C'est une belle révélation, très très belle révélation, Evan Ndicka. J'aime énormément cette défense. Voilà, vraiment, elle est bien équilibrée, quoi. Chacun joue parfaitement au rôle. Pas parfaitement. Peut-être le pire, c'est Da Costa, mais au rôle qui correspond à ses attributs, en fait. Vraiment, c'est assez sympa pour ça. Donc voilà ma petite équipe. Bon, on va mettre plutôt là. Et puis voilà, puis avec les recrues comme Suat Serdar, qui est assez sympa. Lui, il préférait jouer avec la Segundo Mongolante, j'avais des meilleurs résultats. Là, j'ai des moins bons. Mais Chiquinho MDC fait le taf. Là, il faut que je vende Dominique Cor Rodeux qui font un peu la gueule. Falette qui est bon. Barcock, j'essaye de faire jouer, mais c'est pas foufou. Et sinon, Baptista Mayer que j'ai en prêt, que j'aime bien aussi. Joli profil. Yes, Benio, merci d'être passé, mec. Merci beaucoup, à la prochaine. Je peux la mettre sur le workshop, quasiment. Quasiment, je voulais dire carrément. Alors, par contre, on est d'accord, hein. C'était une tactique que j'avais fait le 4 janvier 2018. Sur FM17, donc c'est ça, FM18. Sur FM18, donc je vais regarder un truc, je vais voir comment Valence s'en sort cette année, les résultats, la stat, la. J'ai un coup de barre là, je sens que j'arrive plus à parler. Valence a perdu au Celta, a fait 1-1 à domicile contre la Sociedad avec un carton rouge. Qu'est-ce pas encore ça? Ça joue en 4-4-2, il n'a pas changé. Ouais.
Ah, mais l'équipe n'a absolument pas changé. C'est le même milieu de terrain que sur mon screen. C'est exactement ça. Bon, évidemment, Pereira, mais c'était évidemment Guedes que je mettais. Cillessen. Jaime Costa. Moreno Gamero maintenant. C'est le même principe. Ça, rien n'a changé. Rien n'a changé. Jaume Costa par Jaime. Coquelin, Diakabi, Gamero, Kondogbia. Commence à y avoir une petite colonie de Français. Ah non, ça marche bien pour IRL, hein. Après, avec l'effectif actuel, il faudrait changer des rôles le rôle des attaquants, remettre Faux-Neuf attaquant avancé. Parce que du coup, les deux buteurs, c'est Gamero qui est pour moi un attaquant avancé. Et l'autre, c'est bah Rodrigo, qui peut toujours jouer en Faux-Neuf. Ok. Ouais, Maxi Gomez qui est plus complet. Et il joue au Torino, je crois. Ouais, je pense qu'elle peut marcher. Je peux mettre 4-4-2 Marcelino Thuma. De toute façon, on va sauvegarder comme ça. Ça va là, gros. Pourquoi il va au milieu du 4? On a craqué ou quoi? Je suis sûr que j'ai pris ça pour rien, que ça va pas la publier dans Steam. Ah, j'ai confondu le Maxi Gomez. Okay. Je suis vraiment le pire. I am the worst. Là, c'est allé. Worku Chopu. Worku Chopu. Tactique. Viens d'aller dans l'onglet tactique. Je vois Pep Guardiola, Manchester City. Et la deuxième tactique, 4-2-3 avec deux volantés. Quelle indignité. Quatre quatre un un Christian Gourcuff FC Nantes. Voilà ce qu'on veut voir. C'est bien ça. Un gars de chez FMS qui a fait ça, c'est bien. Non.
Ah oui, il y a quelqu'un, oh, quelqu'un qui a fait la transcription d'Adolf Hitler avec Francfort. Putain, nice. Je regarde tellement pas. 4-1-4-1 Bielsa Leeds. 3-1-3-3 Barcelone 2011. Arsenal Invincible Replication. Ça bosse, hein. Yes. Ah, tu l'as haïe, Joe? Non. Pas déjà, je pense. Activité, Touma. Ah, si. Ah, si. Tu as déjà évalué sa polé positivement, effectivement, je viens de le voir. Bon, bah, allez sur le workshop, le 4-4 de Marcelino, si vous voulez. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, ou que ça intéressait. C'est mis. C'est à disposition ce petit 4-4-2. Ouais, elle est assez stylée. Je suis content parce que les résultats, c'est vrai que sur la première saison, avec le Francfort, j'ai mis une tactique pas top top. J'ai switch dessus. Les joueurs sont assez bien adaptés. Un recrutement assez adapté aussi. De recrutement de Trincao, Chiquinho, Batistamayer. C'était assez adapté parce que j'avais besoin d'eux. De ça, de Fite Harpe aussi, parce que j'avais une tactique avec un seul attaquant, il m'en fallait un deuxième solide. Donc ça se passe vraiment pas trop mal, je suis content des résultats. Je suis troisième de Bundes après 14 journées, donc bon, ça peut aller vite aussi. Et je suis égalité avec Dortmund et pas très 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 loin du Bayern qui fait une bonne saison. Donc bon, c'est assez sympa ça. Quatorze matchs et Neuer a fait 10 clean sheets en 14 matchs. Ok. Bah c'est bien. Donc voilà les gars. Ouais, elle est cool. Franchement, elle est cool. J'ai du budget, j'ai André Onana qui vient. Elle est cool. Ça va être ma partie détente jusqu'à FM20. Je vais essayer de faire 2-3 recrutements stylés. Un ou deux recrutements mercato hivernal plutôt, pourquoi 2-3? Vider un peu mes milieux de terrain parce qu'avec la Segundo Mongolante, j'avais 6 milieux de terrain. Voilà, j'en ai trop des MDC là. Donc faire un peu de tri là-dessus. Un buteur remplaçant ou un gros buteur. Et finir la saison, puis on verra après. Mais ouais, elle est bien. Elle est super cool. Fait du bien. Et vaut mieux tard que jamais pour trouver ce genre de partie. Mais c'est vrai que j'avais pas trouvé d'ici là un genre de partie qui me plaisait, quoi, dans le style. Donc voilà. Voilà les gars. Il est 4h30. C'était un stream assez court. Je crois que j'ai stream 2 heures. Ouais, ça va être un petit 2 heures et quart. Mais bon. Fallait que je donne des nouvelles quand même. Mais oui. Ouais, Serdar. Parce que là, je mets Chiquinho, ouais, et puis ils ont tous des assez bonnes notes quand même. On va peut-être le rôle d'attaquant complet sera peut-être à réfléchir. Peut-être que je leur passe en attaquant. Un attaquant avancé, attaquant de pressing, attaque, je sais pas, mais peut-être que c'est un peu trop exigeant. Mais voilà, vous savez tout, les gars. Je crois que vu savais-tu, je vais vous laisser là-dessus. Avant de partir, je vais regarder quelque chose. Ah oui, d'accord. Eh ben, oula, il y a plein de streamers français. Il y a plein de streamers français. Ah, il y a un mec qui s'appelle Choka33 et il joue avec Bordeaux. Allez, vas-y, je suis pas énorme. Salut Kaiser.
Je vais le raid ou quoi. Ça peut apporter du sang chaud à 33. Donc ouais, je vais vous laisser les gars. Ma fille va pas tarder à aller se réveiller. Et je vais, voilà, je vais passer un peu de temps. Ce soir, il y a du foot. On se retrouve sur Discord pour ceux qui veulent discuter dans les chans. Je suis souvent dans le chan chill. Je vais déposer ma fille chez sa maman vers 6h, 6h30, de façon à être à la maison pour le match de 19h. Je serai sûrement sur Discord, sûrement. Donc voilà, puis je vais essayer de stream encore un petit peu plus quand même que ces derniers, que les 2 derniers mois où j'ai été très 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 occupé par ma saison, par mon travail. Le peu de temps libre où j'avais ma fille, c'était exclusivement pour elle. Et le peu de temps libre que j'avais, c'était pour mes potes. Et le peu de temps libre qui me restait quand il n'y avait pas ça ou ça, bon, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pour dormir. Donc on va refaire un peu plus de stream. Et puis, ouais, je pense que les annonces de toute manière de FM20 vont me hyper. On en parlera en stream. On regardera les vidéos ensemble si vous le voulez. On discutera un peu de ce qui va être intéressant ou pas. Ça, j'aime bien ce format-là. Je peux l'exporter aussi sur le blog. Et puis, voilà. Ça va avoir plus de stream. Vous inquiétez pas, dans tous les cas. Dans les mois à venir, c'est certain. La saison est finie. Donc, voilà, les gars. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère que vous allez avoir plein de bonnes choses sur FM, plein de bonnes choses aussi dans la vraie vie. C'est assez bien comme concept. Vous connaissez tout, mes réseaux sociaux, Twitter, machin, tout est écrit partout. D'ailleurs, c'est Touma tout court, je crois, sur Twitter maintenant. Touma FM. Non, non, j'avais mis à jour mes liens. Touma sur YouTube pour les replays. Touma FM, ça va être sur Twitter. Touma tout court, c'est sur Twitch. Le blog, toujours, vous avez toujours les transcriptions. Puis voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est principalement Twitter et le Discord. Il y a juste la commande Discord, je crois qu'il bug encore. Le Discord, c'est là où je suis très 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 souvent. Si vous avez des questions, des remarques, des idées, on peut en discuter. Il y a plein de salons, il y a plein de gens, il y a plein de réponses. Si vous avez plein de questions, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui s'y connaissent encore plus que moi sur FM. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à la communauté. Voilà. Je vous laisse là-dessus, mes gueux. Mes gueux. C'est le meilleur lapsus du monde. Je vous laisse là-dessus, mes gueux. Vous êtes des gueux. Vous êtes des gueux, oui. Troisième lapsus, des gueux, yes. Hein, bref. Après cette gymnastique sur la langue française, illus fallus que je vous quittasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée, messieurs. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres, les abonnés. Et à très très vite en stream. Bisous, bonne soirée, ciao.